Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance de 21h avec Maman Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ce soir, ce 21 avec Maman Marie, je vous renouvelle mon amour, ma gratitude infinie. Merci d'exister, merci d'être là. Merci à tous les nouveaux et à tous les anciens. Soyez puissamment bénis ce soir, ce 21 avec Marie. Ce soir, ce 21 avec Marie, nous allons recevoir le Saint-Esprit. Saint-Esprit vient nous conduire. Saint-Esprit vient nous guider. Manifeste-toi dans la vie de chacun d'entre nous. Père éternel, toi tu m'as dit de dire à tes enfants que tous ceux qui sont abonnés à cette chaîne sont dans la barque avec toi. Et la divine maman vous a dit il y a un an, vous qui me suivez depuis quelque temps, de vous abonner à cette chaîne et vous passera des messages à travers moi. Je n'ai aucun mérite d'être là, si ce n'est celui d'avoir été choisi et d'avoir aussi dit oui. Donc ce soir, ce 21 avec Marie, les guides t'invitent à dire oui. La source t'invite à dire oui sur ce chemin. Je ne sais pas qui tu es, ni pourquoi tu es là. J'espère que le message de ce soir trouvera son destinataire, qu'il apportera quelque chose dans ton âme, dans ton cœur, dans ton esprit. Et si d'avenir, ça ne te touche pas, n'hésite pas à aller voir d'autres vidéos. Nous sommes sur une guidance générale qui ne parlera certainement pas à tout le monde de la même manière. Alors, aie le discernement de prendre ce qui résonne pour toi et de laisser le reste de côté. Ce soir, sur 21h avec Maman Marie, belle âme, j'ai reçu un message il y a quelque temps, pas si longtemps, où la Vierge Marie me disait de vous dire, vous qui m'écoutez, vous qui me suivez sur cette chaîne Marie Fatma, qui est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et surtout et plus que tout l'amour de soi, que je suis, moi Marie Fatma, comme une rivière. Elle m'a montré l'image, il y avait plusieurs rivières qui se jetaient à la mer. Et je vous conduis tout simplement vers la mer. Si on peut faire ce jeu de mots ici, la mer, vous savez, une rivière, elle va se jeter à la mer. Donc, je suis la rivière qui conduit les âmes vers la mer. Et on peut aussi dire vers notre maman divine, notre mère céleste. Alors, elle m'a dit de ne plus faire attention à certains qui disent, mais pourquoi tu nous parles de Dieu? Pourquoi tu nous parles de ci, de Marie? Pourquoi tu nous parles de cela? Ceux qui viennent là, s'ils ne sont pas prêts à écouter les messages et à savoir que ce que je vous donne ne vient pas de moi, mais de la divine maman qui m'accompagne, qui a créé cette chaîne, à ce moment-là, ils n'ont qu'à aller voir d'autres confrères qui vont leur parler des arbres, de l'univers, de le grand tout. Mais ici, n'oubliez pas que le Seigneur Jésus m'a dit que tous ceux qui sont abonnés à cette chaîne sont dans la barque avec lui. Et ce n'est pas une question de religion, ce sont nos guides. N'oublions pas que la Vierge Marie, c'est l'avocate des âmes. On parle bien de toutes les âmes. Donc quand on meurt, il n'y a pas de religion. Il y a une seule chose, c'est la lumière qui va rejoindre celle du Père. Et c'est elle qui reçoit les âmes pour les conduire au purgatoire. Peut-être que tu as un moment de ta vie où tu peux te poser des questions, où tu commences à te chercher, à comprendre ce qui se passe dans l'invisible, ou dans tes rêves, ou dans ce que tu ressens, parce que tu commences à avoir un éveil et tu te rends compte que nous ne sommes pas seuls. Je ne sais pas qui tu es, mais ce soir, je suis là tout simplement pour vous apporter les messages. Alors, moi je vais écouter ce qu'elle me dit comme j'ai l'habitude de le faire. Parfois, je n'ai pas souvent écouté aussi. Mais j'ai compris que quand je n'ai pas écouté,
que ma vie était bloquée, il ne se passait rien. Alors, je témoigne pour ma part que depuis qu'elle est dans ma vie, je comprends beaucoup de choses. Et cela ne veut pas dire que je n'ai pas des blocages ou qu'il ne m'arrive pas des choses incongrues ou des attaques. Mais comme elle est là et que son fils est là, puisque je suis dans la barque avec lui, tu ne peux pas être dans la barque avec Jésus et avoir peur. Alors ce soir, reste ferme dans ta foi. Et si tu n'avais pas la foi, commence à cheminer. Va dans ton quartier où tu vis. Va, il y a des églises partout. Va rentrer dans une église et dis-leur, je viens pour rencontrer le Père, pour rencontrer le Fils, pour rencontrer le Saint-Esprit. Même vous qui me suivez, allez dans vos églises, allez dire à votre prêtre dans un coin, dans un coin avec lui, dites-lui, je veux venir payer ma dîme. Même si vous n'avez pas l'habitude d'aller à la messe, rien que dans cette atmosphère, dans cet univers, vous allez sentir qu'il y a quelque chose qui se passe, qui se connecte. Allez vous demander des baptêmes, allez demander de vous confirmer, allez demander quelque chose. Liez-vous à cet esprit-là, à cet univers-là. Et nous autres qui sommes sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a des gens qui ne vont pas à l'église, je ne suis pas là pour vous blâmer. Vous êtes déjà avec le Père, le Fils ici, puisqu'il dit que tous ceux qui sont abonnés à cette chaîne sont dans la barque avec lui. Rappelez-vous l'image que la Vierge Marie m'a montrée, les ruisseaux, les petites rivières qui vont se jeter à la mer. Je fais partie de ces petits ruisseaux. Mes confrères, mes consœurs qui sont aussi là, qui vous amènent vers ce chemin-là, sont comme ces petits ruisseaux, sont ces petits ruisseaux. Le monde a changé. Les méthodes ont aussi évolué. Mais c'est lui qui tient le monde dans ses mains. Amen. Donc ce soir, ce 21 avec Marie, je vais commencer par un message à la Vierge Marie. Et je vais prendre cet oracle qui nous parle de Marie, mère universelle, protection, miracle et guérison. D'accord? C'est écrit dessus. Marie, mère universelle, protection, miracle et guérison. Ce soir, sur 21 avec Marie, qu'est-ce qui est tombé? Notre-Dame du recommencement. Ok. Il faut savoir qu'il y a des gens ici qui vont recommencer quelque chose. Peut-être des études, peut-être une nouvelle carrière, peut-être une nouvelle relation, peut-être se remarier, famille recomposée. Notre-Dame du recommencement. D'accord? Il y a ça ici qui sort. Donc, on va la laisser parce qu'elle a sauté. Hein. Je ne sais pas. Ce soir, sur 21 avec Maman Marie, il y a quelque chose qui recommence là. Notre-Dame du changement pacifique. OK? Donc, il y a quelque chose qui va changer de manière pacifique. C'est-à-dire qu'on va faire la paix. Hein. Et nous avons Notre-Dame de la nouvelle vision. Donc, vraiment là, on est dans quelque chose et on est Notre-Dame de la vérité en double deck. Donc, ce soir, sur 21 avec Marie, nous avons ces trois messages qui viennent de notre maman Marie. Il y a quelqu'un qui recommence quelque chose. Notre-Dame du recommencement. Notre-Dame du changement pacifique. Il y a quelque chose qui change dans ta vie en ce moment ou qui va changer de manière pacifique. Donc, ce ne sera pas... Il n'y aura pas de conflit en fait. Il n'y aura pas de conflit ni avec toi-même, ni avec les autres. Ça va se passer de manière pacifique. D'accord? Dans le calme, dans la paix. Et ça va avoir du sens puisque ensuite on nous parle Notre-Dame de la nouvelle vision. Ça va te donner une nouvelle vision de voir les choses différemment. Une nouvelle vision de la vie. Un nouveau regard. Je ne sais pas pour qui je parle, mais voilà ce que je reçois ici. Ce soir, ce 21 avec mon mari, j'ai Notre-Dame de la vérité également, qui est en dos de tête. Donc, ces trois messages, je vais les mettre là. Et si nous avons le temps, je vous lirai Notre-Dame du recommencement parce que c'est la première carte qui a sauté, d'accord? Donc, je les mets d'abord là. Et ce soir, ce 21 avec mon mari, on a la vérité, on a le recommencement de quelque chose. Et je vais vous lire l'ange du jour, d'accord? L'ange du jour. Sachez que ces vidéos, quand vous les recevez, je ne suis pas à Paris. Donc, je suis en déplacement. Donc, je suis en soins énergétiques. Donc, vous allez les recevoir. Et ceux qui ont, qui avaient déjà réglé leurs soins énergétiques sont ceux-là qui auront le soin, qui vont avoir le soin à ce moment-là où vous recevez la guidance. Ceux qui vont régler leur paiement après que je sois partie ou qui vont le compléter parce qu'il y en a qui ont commencé, ils auront leurs soins
pour le mois d'octobre. Vous savez que je pars régulièrement faire les soins, donc il n'y a pas de problème. C'est juste que je ne voulais pas qu'il y ait trop de masse de soins à faire parce que ça prend beaucoup d'énergie. Donc, j'ai été obligée de le faire en deux parties. J'ai voulu bien attendre, mais ça allait me dysfonctionner tout, l'organisation, etc. Donc, pour ceux qui veulent avoir des soins, je vous invite à demander une guidance au préalable. D'accord? C'est très important. Mais les soins, c'est de manière régulière que je les fais. Tant que le Seigneur me donnera la force, je serai là pour ça. Donc, prenez bien soin de vous. L'ange de ce jour où je vous fais la guidance, c'est l'ange. Parce que j'ai préparé la guidance pour tous les jours, je ne suis pas là. Donc, l'ange du 5 septembre, pour ceux dont c'est l'anniversaire, aujourd'hui, joyeux anniversaire. Redonner force et vigueur à ce qui est affaissé. Redonner force et vigueur à ce qui est affaissé. Vous voyez que nous avons Notre-Dame du recommencement qui a sauté. Et on nous parle de redonner. Donc, on est vraiment dans l'heureux, heureux, heureux. On recommence quelque chose. On redonne quelque chose. On redonne la force et la vigueur à ce qui est affaissé. Est-ce que tu comprends, belle âme? Donc, ce soir, sur 21h avec Maman Marie, redonner force et vigueur à ce qui est affaissé, relâché, désabusé, rénover, réparer tout ce qui est détérioré. Donc là, vraiment, on est en train de construire une bâtisse, là, on va dire ça. Et cette bâtisse va se construire aussi grâce à ta foi. Parce que les gens pensent toujours que c'est l'argent qui fait tout, c'est le pouvoir qui fait tout. Si tu n'as pas la foi et si l'Esprit de Dieu n'est pas dans ce que tu fais, tu perds ton temps. La parole de Dieu nous dit que celui qui bâtit sans l'Esprit de Dieu bâtit en vain. Bâtit en vain. Ça va s'écrouler si tu ne mets pas l'Esprit de Dieu. Donc à partir d'aujourd'hui, commence à mettre l'Esprit de Dieu dans tout ce que tu fais et tu verras la différence entre ce que tu as fait auparavant et ce que tu recommences maintenant. Amen. Notre-Dame du recommencement est l'ange du jour, c'est l'ange Levia, Levia, L-E-U-V-I-A-H, de ce 5 septembre. Redonner force et vigueur à ce qui est affaissé, relâché, désabusé. Amen. Rénover, quand on est vraiment dans la rénovation, le re, d'accord? Relâcher, rénover, redonner, réparer. Il y a vraiment une notion de recommencer, de refaire mais différemment avec des outils différents. La prière, la foi, les soins énergétiques, la confiance au processus divin. Amen. Ce soir, sur 21 avec Marie, rénover, réparer tout ce qui est détérioré. On est en train de réparer ce qui était abîmé, ce qu'on ne croyait plus pouvoir reprendre vie, ce qui était complètement foutu. Comme un vase qu'on prend et qu'on va recoller les morceaux. Aujourd'hui, on ne recolle plus, on jette. Mais là, il y a quelque chose qui doit être réparé, renouvelé, reconstruit. Invocation à cet ange. En tout, je trouverai le bon côté afin que la poussière... On va le reprendre. En tout, je trouverai le bon côté afin que la poussière que la vie a fait tomber sur nous, s'envole, s'enfuit au commandement de notre enthousiasme. Est-ce que tu comprends ce message? Ça veut dire tout simplement que là, tu vas reprendre vie, joie, envie de recommencer, de refaire les choses. Et grâce à cette énergie de mouvance, de fertilité, de prospérité, de remettre, de redonner la vie à quelque chose qui était presque mort. On te dit, tu vas arriver à faire tomber sur toi, et à s'envoler, s'enfuir au commandement de notre enthousiasme. Tu vas faire tomber toute cette poussière, tout ce qui avait été mis sur toi comme crasse, tu vas le nettoyer, comme un gros nettoyage énergétique. Boum! Rappelle-toi de la petite rivière qui va tomber dans la mer. Moi, je suis la petite rivière qui t'amène à la mer. Amen. Ce soir, sur 21 avec Marie,
Accepte ce qui vient, quel que soit ce que tu as reçu. Ce soir, sur 21 avec Marie, j'ai envie de vous réciter, réciter un cantique et avant de rentrer dans les messages, on va faire une guidance générale, point au temps. Et on va faire également une guidance sentimentale pour les gens qui attendent le retour de l'ex, qui attendent le retour d'une personne. Et d'ailleurs, on me parle ici que le retour des ex, il y a plein d'ex qui reviennent en ce moment. C'est dans l'énergie, hein, pour vous attendre à ça. Je n'ai pas encore fait les cartes, mais on va avancer et on va approfondir. Il y a plein d'ex qui reviennent. On parle de, pas que les ex, le retour des ex et de certaines personnes que tu avais oubliées, d'accord, reviennent. Mais on te dit de faire attention à qui tu vas ouvrir ta porte. Voilà le message que je reçois là pour toi. Je n'ai pas encore fait les cartes. On va aller voir quand on mettra les cartes, d'accord? Mais avant ça, prenons le temps de réciter ce cantique ensemble, s'il vous plaît. Écoutez juste les paroles. Vous savez que j'ai un problème d'articulation et je travaille dessus. Je vous assure, je travaille dessus. Donc, je vais essayer d'articuler de manière à ce que tout le monde comprenne toutes les paroles. Ce n'est pas ma façon de chanter qui est importante, mais ce sont les paroles qui sont dans ce chant de victoire qui sont importantes. Donc, chanter, c'est prier deux fois. Donc, quand tu viens sur mes guidances, dis-toi que tu es en train de faire une prière. Si tu as l'habitude de prier, tant mieux pour toi, c'est juste tu la renforces. Mais si tu n'as pas l'habitude de prier, dis-toi que c'est ton moment de prière en écoutant ta guidance. Donc, tu pries en même temps que tu écoutes ta guidance, tu vois. Tu fais d'une pierre deux coups. Amen. Alors, allons-y, c'est un moment de grâce. Reçois. Ce soir, sur 21 avec Marie, chant de victoire. Ça, je vous invite à acheter ce livre. Pour ceux qui l'ont acheté, je vais vous donner le cantique à ouvrir, d'accord? Chant de victoire. Tu peux mettre la vidéo en pause, hein, puisque tu vas la recevoir. Moi, je serai même déjà partie à mer et tout. Donc, tu peux mettre ta vidéo en pause, aller prendre ton chant de victoire si tu l'as acheté. Si tu ne l'as pas acheté, tu peux le commander sur Internet. Chant de victoire, d'accord? Oui. Cantique, tu mets cantique, chant de victoire. Et c'est le cantique chant de victoire 126. 126, 126, on va commencer, d'accord? Écoute les paroles. C'est pas évident à chanter parce que je ne suis pas une chanteuse, hein, mais je m'efforce à vous transmettre les messages même à travers le chant parce que chanter, c'est prier deux fois et c'est pas ta voix qui importe. Tu t'en fiches d'être une bonne chanteuse ou pas. Le Seigneur comprend le cri qui vient de ton cœur. Là, c'est un cri, là, c'est une prière. C'est parti. Roc séculaire, frappez pour moi sur le calvaire. Je viens à toi, tu sais mes chutes, ô mon sauveur. Tu vois mes luttes et ma douleur. Ça, c'est un cri. Quand on prie Jésus, quand on prie le Père, il faut arriver avec des cris, des chants de lamentation. Et c'est là que la victoire vient. C'est là que le bonheur vient. C'est là que la bénédiction vient. Il veut qu'on s'abandonne à lui. Amen. Roc séculaire, frappez pour moi. Sur le calvaire, je viens à toi. Roc séculaire, frappez pour moi. Sur le calvaire, je viens à toi. Ô purifie, lave Seigneur. Et sanctifie mon pauvre cœur. Ma main tremblante ne t'offre rien. Ta croix sanglante est mon seul bien. Roc séculaire, frappez pour moi. Sur le calvaire, je viens à toi. Roc séculaire, frappez pour moi.
Sur le calvaire, je viens à toi. Le dernier couplet. Dans ma détresse, sois mon berger, ma forteresse dans le danger. Et qu'à toute heure, que chaque jour, mon cœur demeure en ton amour. Roc séculaire, frappé pour moi sur le calvaire, je viens à toi. Roc séculaire, frappé pour moi sur le calvaire, je viens à toi. Merci, merci, merci Seigneur. J'ai un autre message à vous lire ce soir. On me dit de vous parler de bénédiction. Ce soir, action de bénir, dire du bien par la parole. Action de bénir, c'est dire du bien par la parole. Donc ce soir, Bélam, on me dit de te dire que tu es béni. On me dit de te parler de bénédiction. À quoi sert la bénédiction? La bénédiction sert à faire du bien autant pour soi-même que pour les autres habitants de la terre. C'est-à-dire les humains, les animaux, même les plantes, voilà, la terre, la mer, tout ce qui nous entoure. La bénédiction sert à donner vie aux objets. La bénédiction sert à mettre notre intention sur ce que nous bénissons. Je t'ai béni, belle âme. J'ai béni cette plante. J'ai béni la vie que Dieu m'a donnée aujourd'hui. Béni soit le Seigneur au plus haut des cieux. On peut aussi le dire. La bénédiction sert à se rappeler que ce qui est béni vit maintenant. Vit maintenant. La bénédiction sert également à bénir les êtres humains, les animaux, les plantes et beaucoup d'autres choses. Bref, vous pouvez bénir tout ce qui vous entoure et vivre dans la béatitude et la bénédiction, de la bénédiction. Comme Jésus a dit, ce que vous faites au plus petit d'entre vous, c'est à moi que vous le faites. Donc même quand tu bénis, c'est de la plante, ce que tu œuvres, tu bénis les gens, tu bénis même ton travail. Tu dis, Seigneur, bénis mon travail. Il dit, ce que vous faites, Jésus dit, ce que vous faites au plus petit d'entre vous, c'est à moi que vous le faites. Donc même ton travail, il faut que tu le bénisses quand tu commences par le faire. Parce que je vous ai dit sur cette chaîne, quand tu travailles pour tes parents, tu travailles pour Dieu. Tu travailles pour ton mari, tu travailles pour Dieu. Pour ta femme, tu travailles pour Dieu. Tu travailles pour tes enfants, tu travailles pour Dieu. Tu travailles pour ton patron même, tu travailles pour Dieu. Tu travailles pour toi-même, tu travailles pour Dieu. Parce que tout ce qu'on fait, c'est dans son but. C'est pour lui, c'est pour sa gloire. C'est pour sa gloire. Alors si quelqu'un vient te dire que tu es en train de faire ton travail, il te dit, mais tu es nul, tu fais mal, etc. Dis Seigneur, je ne sais pas si je fais bien ou je fais mal, mais toi tu sais, alors guide-moi. Donne-moi la force de faire les choses selon ta volonté, selon toi, ton œil, selon comment tu veux que ça soit fait. Alors c'est pour ça que je dis souvent les gens qui viennent critiquer la chaîne, c'est pas que je m'en fous des critiques, mais c'est juste que je ne travaille pas pour vous en fait. Tu peux dire à la personne qui est à côté de toi, je ne travaille pas pour toi en fait. Je travaille pour mon papa céleste. Il y a une chanson qui me vient à l'esprit, mais je vais vous la chanter. Je ne suis pas seul, allez à toi. Je ne suis pas seul, je suis avec papa céleste. Je ne suis pas seul, même dans mon travail. Je ne suis pas seul, je suis avec Papa Céleste. Je ne suis pas seul, même dans mon mariage.
Je ne suis pas seul. Je suis avec Papa Céleste. Je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Je suis avec Papa Céleste. Je ne suis pas seul. Mais dans ma maladie, je ne suis pas seul. Je suis avec Papa Céleste. Je ne suis pas seul. Mais dans cette trahison, je ne suis pas seul. Je suis avec Papa Céleste. Je ne suis pas seul. Même dans ma prison, je ne suis pas seul. Je suis avec Papa Céleste. Je ne suis pas seul. Même dans mon malheur, je ne suis pas seul. Je suis avec Papa Céleste. Je ne suis pas seul. Répète-le s'il te plaît. Tu peux la chanter en beau. Même dans ma détresse, je ne suis pas seul. Je suis avec Papa Céleste. Je ne suis pas seul. Même dans la pauvreté, je ne suis pas seul. Je suis avec Papa Céleste. Je ne suis pas seul. Même dans ma solitude, je ne suis pas seul. Je suis avec Papa Céleste. Je ne suis pas seul. Même dans l'abandon, je ne suis pas seul. Je suis avec Papa Céleste. Je ne suis pas seul. Soyez bénis, belle âme, ce soir. Que l'Esprit de Dieu vienne se manifester dans ta vie. Dans tes mortifications, dans ta souffrance, dans ton cheminement, parce que tu n'es pas seul. Tu n'es pas passé ce soir. Amen. Rappelle-toi que tu es dans la barque avec Jésus. Et pensez à cela. Si vous pratiquez le pouvoir de la bénédiction envers toute la création, c'est à Jésus et au Père que vous le faites. Amen. C'est donc à vous aussi que vous le faites. Amen. Puisque vous faites partie de cette création. J'ai une image qui me vient à l'esprit. Je vais vous faire ce petit commentaire parce que ça me fait rire en fait. C'est un enfant. C'est deux enfants qui se prenaient la tête. Vous savez, les enfants, comme ils peuvent se prendre la tête à un certain âge, 10 ans, 12 ans, frères et sœurs, ils s'engueulent. Ouais, mais c'est ça. Et puis, il y a la sœur qui prend la brosse à dents du frère et qui la met dans les toilettes. Et elle la remet dans la boîte. Dans le petit gobelet où il y a toutes les brosses à dents de la famille. Et elle va voir le prêtre un jour et dit, je suis fâchée contre mon frère, mais il m'énerve tellement, j'ai mis sa brosse à dents dans les toilettes et je l'ai remise dans la... Non, le prêtre lui demande, où est-ce que tu l'as mise après la brosse à dents? Mais dans le verre où on met la brosse à dents? Il y avait la tienne dedans? Oui. Celle de tes parents? Oui. Celle des autres, de ton papa? Oui. En fait, quand tu te venges de quelqu'un, d'un frère, d'une sœur, de quelqu'un, et que tu maudis, tu te maudis aussi toi-même. Mais quand tu te bénis toi-même. C'est ça que je veux te dire par rapport à cette image. Parce qu'en mettant la brosse à dents dans les toilettes, qui était souillée, elle a souillé sa propre brosse à dents. Elle a souillé la celle de ses parents. Donc, s'il y avait une maladie, une contamination, une contagion, tout le monde allait être malade et tout le monde allait mourir. Alors, ce qu'il en ressort de ce message, on me dit de te dire ici que la famille est caution solidaire. Tout ce que tu fais prend sens pour toi et pour les autres. Quand tu fais du mal à ton prochain, puisque nous sommes tous les frères et sœurs, il faut le savoir, hein? Qu'on soit blanc, qu'on soit noir, qu'on soit jaune, qu'on soit vert, qu'on soit, j'en sais rien, nous sommes tous caution solidaire. Je vais prendre un exemple. Il y a eu la colonisation dans le temps qui a eu ces misères, ces déboires. Mais aujourd'hui, on est en train de vivre l'impact de la colonisation. Moi, je vous fais la guidance, je suis à Paris. Mais je peux vous dire que les Parisiens la vivent aujourd'hui. Pourtant, elle s'est passée il y a des centaines d'années. Parce que l'effet revient toujours. On appelle ça le boomerang. D'accord? Je ne suis pas là pour prendre parti pour les Européens, les Africains, les Noirs, les Blancs. Ce n'est pas ça. Je passe un message universel ici. Nous sommes caution solidaire. Quelqu'un doit comprendre ça peut-être aussi dans sa famille. Quand tu fais du mal à ton frère, ça va toujours réjaillir sur les autres. Et si même, pourquoi quand les époux,
Il y a un époux qui prend un crédit. Même s'il meurt, tu vas rembourser le crédit, hein, parce que vous êtes marié. Donc, si même quelqu'un qui n'est pas de ton sang, tu es caution solidaire parce qu'il y a les biens du mariage. Ceux qui sont dans le sang, c'est pour ça qu'on demande aux gens dans les familles d'arrêter de faire du mal. Si tu as un frère, une soeur qui va faire des gris-gris, ce qu'elle est en train de faire, ça va se rejaillir sur tout le monde. C'est pour ça que toi qui es là, tu dois te couvrir dans le sang de Jésus. Amen. Tu dois te couvrir dans le sang de Jésus parce que pendant que tu dors, je ne sais pas ce que ton père a fait, ta mère a fait, ta soeur a été faire, parce que vous êtes caution solidaire. Chacun prend puisque c'est dans le sang. Ça se passe comme ça. Et tu, même si tu es détaché d'eux, même si vous êtes à distance, ça peut te suivre. C'est pour ça qu'on parle souvent de la maladie, la malédiction transgénérationnelle. Alors, bénissez au lieu de maudire. Bénissez. Que vos bouches ne maudissent plus jamais au nom de Jésus. Bénissez, mes belles âmes. Ce soir, pourquoi on parle de ça? Ce n'était pas ce que j'avais prévu de vous dire. Hein. Mais l'esprit peut changer tout. Dieu peut changer ta vie comme ça du jour au lendemain. Parce que tu as béni quelqu'un, parce que tu as changé d'attitude, parce que tu as décidé d'être une autre personne que ce que tu étais. On parle de recommencement là. Quelqu'un doit comprendre ça ce soir. On parle de vérité. Amen. Dieu est merveilleux, mes belles âmes. Dieu est merveilleux. Si tu as une mission et que tu sais que c'est Dieu qui te l'a donnée, reste dans ta mission. N'écoute pas ce que les gens te disent. Reste toi-même. Et Dieu te conduira toujours, il doit te conduire. Il coupera les mauvaises herbes qui sont sur ton chemin. Il enlèvera les branches qui t'entravent le chemin. Il fera le chemin. Amen. Il fera le chemin. Alors, Notre-Dame du recommencement. Ce soir, on va prendre ce tarot. Amen. C'est magnifique. Seigneur, merci, t'es merveilleux. Ici, on parle d'empereur. On parle ici d'une énergie de force. Ça, c'est ton énergie. Que tu sois homme ou femme, tu repars. Tu recommences. Tu as ton... Tu vois, cet empereur, il est sûr de lui. D'accord? Il est sûr de lui. Il a appris. Il a de la connaissance. Il est préparé pour régner. Amen. Ce soir, merci Seigneur. Le soleil, ce qui vient à toi. Le soleil, la guérison. Tu as le soleil. Ta lumière ne s'est jamais volatilisée. Elle a peut-être été ternie. Parce que oui, comme je te disais tout à l'heure, dans une famille, si les gens font des choses mauvaises, c'est caution solidaire. Et évidemment, le membre de la famille qui a fait cette chose par rapport à toi, si c'est un oncle qui l'a fait, que toi tu es un petit-fils, bien sûr, ça va d'abord traverser les enfants avant d'arriver chez les petits-enfants et arriver chez les arrière-petits-enfants. Donc si toi tu es un arrière-petit-enfant et que tu sens qu'il y a des choses que tu portes sur toi, ça doit être un film parce que plus ça passe de génération, plus ça diminue. Mais ça ne va que diminuer si toi tu ne rentres pas dans le mal. Mais si toi tu vas faire le mal, tu vas reporter comme si on t'avait transmis ça. Tu vas le porter sur ta tête parce que tu es allé chercher le mal. Alors bénissez au lieu de maudire. Amen. Ce soir, sur 21 avec Marie. J'ai ici un nouveau cycle, j'ai le jugement et j'ai la mort et quelque chose change pour toi, d'accord? Quelque chose change pour toi. Ce soir, ce 21 avec Marie, la vie c'est un éternel recommencement. La mort ici, c'est la mort des anciens schémas, la mort de ceux qui résistaient. Et ici, tu avances par rapport à une situation d'injustice que tu as vécue. Merci Jésus, merci Marie. Ce soir, ce 21 avec Marie, j'ai également pris l'oracle de Ganesh pour demander ce qui vient à toi. D'accord? Je vais quand même pas commencer peut-être avec Ganesh ici. D'accord? Ganesh, c'est l'abondance. Vous savez, cet éléphant, cette tête d'éléphant qui symbolise Ganesh, qui a toujours l'abondance. C'est l'abondance. Qu'est-ce qui vient à toi? Moi, je pense qu'on est dans l'abondance là. Mais il y a des conseils aussi que Ganesh donne. Ganesh, c'est un guide qui m'accompagne beaucoup aussi. Je l'aime beaucoup, Ganesh. Quand il vient, il est clair, c'est comme si je parlais avec lui, c'est magnifique. Vision positive. Reste positif et positive dans ce que tu es en train de mettre en place. Il y a quelque chose qui recommence. Reste positif. Ne te dis pas, je vais y aller, mais est-ce que je vais y arriver? Non. Vision positive. Le soleil est là, la guérison est là, quelque chose se repart. On te l'a dit tout à l'heure. On a eu ce message qui a sauté et on a eu l'ange du jour qui n'a rien à voir avec cet oracle, l'ange du jour qui t'a dit quoi? Que tu vas recommencer quelque chose, que tu vas réparer tout ce qui était affaissé, tu vas te relever, d'accord? Il y a eu pas mal de messages là-dessus. Est-ce que tu te rappelles? Je vais te le reprendre. L'ange du jour. Enfin, là que je retrouve.
cet homme. Il faut que je mette mes lunettes, bien sûr. Allez, c'est parti. L'ange du jour, c'était l'ange Levia. Redonner force et vigueur à ce qui était affaissé, relâché, désabusé. Même si quelqu'un t'a désabusé, un homme t'a désabusé, il t'a laissé tomber. Aujourd'hui, tu reprends ta force. Ce qu'on me dit aussi, là, maintenant, à cet instant, il y a des gens qui vont revenir dans ta vie, je te l'ai dit tout à l'heure, des ex. Il y a quelqu'un qui t'a fait très mal, poignardé, comme ça. Tu as pris le temps de guérir, qui va revenir. Pendant que toi, tu commences à retrouver ton soleil, que tu as guéri, tu vois, tu as guéri. Cette personne elle revient. Ne faites pas l'erreur de reprendre les personnes qui vous ont mis à terre et sont parties de votre vie et qui reviennent parce que tout va bien. D'accord? Quand ton soleil brille, les gens viennent profiter pour se bronzer, pour prendre des vitamines. Mais dès qu'il y a la pluie, personne ne t'apporte de parapluie. Donc là, c'est à toi de savoir qui va rentrer à nouveau chez toi et qui ne va pas rentrer. Là, je vois quelqu'un qui a été un imposteur, qui t'a menti, qui t'a trahi, qui t'a trompé, à qui tu as donné de l'amour et qui t'a laissé comme une épave. Et toi, tu as pris le temps, ça t'a pris le temps de guérir. Peut-être que tu as fait des soins énergétiques, tu as prié, tu as fait des choses. Tu as peut-être été voir un psychologue. Et cette personne, maintenant que tu vois tout va bien pour toi, elle va revenir et toi, tu vas la laisser revenir. On a parlé de recommencement, mais quand on recommence, on fait attention à ne pas refaire les mêmes erreurs. Tu comprends? Il y a un nouveau cycle là et c'est le jugement et c'est qui va faire foi. Donc, redonner force et vigueur, on te redonne la force. Et toi, tu vas redonner la force et la vigueur à ce que tu vas mettre comme projet, impulsivité, impulsion pour pouvoir aller de l'avant, d'accord? À ce qui était affaissé, tu te relèves, tu te bouges les fesses en fait, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, relâcher, désabuser, rénover, réparer tout ce qui était détérioré. Donc, on répare, on est en réparation là. On repart peut-être aussi son âme qui a subi un choc émotionnel. C'est bon, d'accord? C'est bon. Le pain noir, ce n'est pas pour les mêmes personnes. C'est bon. Tu en as bouffé. C'est bon. Donc ce soir, il y a une notion de sincérité là qui n'est pas nette. C'est pour ça qu'on parle de vérité ici. Quelqu'un n'a pas été sincère. Il y a quelque chose qui doit changer. Peut-être qu'on va vous donner une vérité finalement. Parce qu'on a la vérité, on a ici sincérité. D'accord? On parle ici de nettoyage énergétique, donc cette carte peut vous inviter à demander un nettoyage énergétique, mes belles âmes. Moi, je ne viendrai jamais vous prendre le téléphone pour vous dire « appelez-moi ». Mais le numéro est là. Donc, quand vous avez un message comme celui-ci, c'est écrit « nettoyage énergétique ». Et là, nous avons la carte qui parle de nettoyage énergétique et du soleil. D'accord? Ton soleil est là. On t'a demandé tout à l'heure de faire quoi? D'enlever la poussière. Je reprends le message. L'ange le vient. Redonner force et vigueur à ce qui était affaissé, relâché, désabusé, rénové, désabusé, il y a un point, hein, rénové, réparer tout ce qui est détérioré. Invocation à cet ange, le vient. En tout, je trouverai le bon côté afin que la poussière que la vie a fait tomber sur moi s'envole. Tu vois? Le soin de nettoyage énergétique avec Ganesh. D'accord? En tout, je te l'ai dit tout à l'heure, je te le reprends juste parce que quand les messages reviennent, il y a quelque chose à comprendre. Parfois, les guides nous insistent sur quelque chose et on passe à côté. En tout, je trouverai le bon côté afin que la poussière que la vie a fait tomber sur moi s'envole, s'enfuit au commandement de notre ou de mon enthousiasme. Donc, sois positive. Vision positive. En plus, on nous a tellement aidé avec cette guidance. Vision positive. Cet enthousiasme va faire en sorte que les choses vont se détacher comme par magie, comme par miracle. Notre-Dame, Marie, Mère universelle, protection, miracle et guérison. Tu vois, il n'y a pas de hasard. Pourquoi j'ai pris cet oracle aujourd'hui? Voilà. Donc ce soir, sur 21 avec Marie, nettoyage énergétique, sincérité avec Ganesh. Et nous avons ici promesse du futur, tu vois. Ma Marie te dit que tu vas recommencer. Donc c'est une promesse du futur pour faire mieux et surtout ne plus reprendre les mêmes
personnes qui nous ont fait tomber dans la fosse. Ou du moins, être prudent, d'accord? S'il s'agit de ton enfant, tu ne vas pas dire à ton enfant, je ne vais plus te revoir. Tu vas le revoir, mais tu feras différemment. D'accord? Tu feras les choses différemment. Si c'est tel sujet qui vous a amené des problèmes, ben, tu parleras plus de ce sujet-là. Si vous avez eu des problèmes à cause de ta belle-fille, ben, tu vas éviter. J'ai des gens ici qui n'arrivent même pas à voir leurs petits-enfants parce qu'ils sont fâchés avec leur belle-fille et la belle-fille a amené les enfants loin. Alors, si j'avais un message à donner ce soir par rapport à ce cas de figure, pour les personnes qui sont dans ce cas de figure, ce n'est pas tout le monde, c'est un message qui vient et on me dit de le donner ici. S'il vous plaît, mes belles-hommes, vous les hommes qui m'écoutez, ne vous fâchez jamais avec votre mère pour votre femme, à cause de votre femme, s'il vous plaît. Non. Ne vous fâchez jamais avec votre mère pour votre femme. C'est votre femme, je sais. Mais votre, la mère, on dit, même en islam, la mère, trois fois la mère avant le père. Et ton paradis se trouve au pied de ta mère. Ne te coupe pas de ton paradis. Même si ta mère est une prostituée, même si ta mère est vraiment, je sais qu'il y a des moments qui peuvent être pénibles, c'est ta mère. Elle aurait pu avorter. Elle aurait pu t'abandonner. Moi aussi. Ceux qui me suivent savent que ma belle famille m'a montré de toutes les couleurs. Ma belle-mère m'avait montré de toutes les couleurs. Mais aujourd'hui, j'ai compris en cheminant. Ça m'a pris du temps. Mais j'ai compris. Mon mari n'a pas pris de parti. Il n'a pris ni mon parti, ni celui de sa mère. Et je lui en ai voulu pendant longtemps. Et aujourd'hui, je me dis, mais quel fils digne, finalement. C'est pas de la lâcheté. C'est juste que tu peux mettre ta mère au tribunal devant ta femme et tes enfants. Ça ne se fait pas. Ceux qui sont fâchés avec leur mère à cause d'une compagne ou d'un mari, faites la paix avec vos parents. Ou des amis même. Des amis qui viennent te dire, ah, laisse ta mère tomber, c'est toxique, c'est une sorcière et tout ça. S'il vous plaît. Peut-être que ta mère, c'est ta pierre d'achoppement. Peut-être que ta mère, c'est celle qui devait t'amener à t'éveiller. Je ne sais pas pour qui je parle ici. Hein. Je ne suis pas là pour vous dire, oui, même si vos mères sont des sorcières. Allez. Non, le pardon transcende la tragédie. Là, c'est ce que je vous parle des choses ici. Ceux qui veulent écouter, écoutent, comprennent. Et je sais qu'il y a des gens qui ont des bons rapports avec le maman, même celles qui sont parties de l'autre côté, éveillent sur vous. Si on me parle de la mère, en plus, on a commencé par maman Marie, qui m'a dit de vous dire que moi, je suis comme un ruisseau qui vous amène vers la mère. C'est notre maman, elle, maman Marie, qui nous conduit aussi. Donc, si vous avez un rapport difficile avec votre maman, allez chercher la chaîne de Christophe sur YouTube. La chaîne de Christophe. Comment prier avec Marie. Vous allez faire votre rosaire. Chaque jour, il y a un mystère. Même vous allez sur la chaîne Le Rosaire à Lourdes. Tous les jours, il y a un rosaire à Lourdes. Tous les jours. D'accord? Vous vous mettez sur YouTube. Vous écoutez. Vous faites la prière avec Marie pour débloquer votre situation. Elle est là, elle va opérer. Il n'y a pas de magie. C'est juste la grâce. On a parlé de bénédiction aujourd'hui. Même ceux qui vous ont fait du mal, bénissez-les. C'est quand Job, celui qui a souffert comme pas deux, a béni ses ennemis qu'il a eu de sa double part. Donc il y a un recommencement là, à faire différemment, bien entendu. On parle de concentration ici. Quelqu'un doit se concentrer. Pourquoi? Je vais regarder derrière. Dans les priorités, pour évoluer énergétiquement, évolution énergétique, d'accord? Il y a une concentration ici à mettre en place pour une évolution énergétique, d'accord? Ouverture d'esprit, expression enfantine et compréhension des choses. Parfois, il faut qu'on devienne des enfants pour comprendre certaines choses, d'accord? Connaissance intérieure. On va vous guider, hein? Intuition, on va vous guider, vous allez comprendre pas mal de choses, hein? Connaissance intérieure, les promesses du futur, ici on va vous donner vraiment des outils pour la connaissance intérieure. Vous grandissez là, vous grandissez, d'accord? Ce soir, sur 21 avec Marie, j'ai ce petit oracle que on m'a sorti, ça fait longtemps que je ne l'ai pas, j'ai peut-être plus d'un an. Donc je vais vous donner un message par rapport à ça. Il y a un cadeau qui vient pour toi, mais reste dans la vision positive, un cadeau, regarde, c'est magnifique. Ce sont tes guides qui te l'apportent.
un cadeau. C'est beau, hein? Merci, mon mari. Merci, divine maman. Alors ici, il y a quelque chose avec un tribunal. Peut-être que tu as un procès. Et pour moi, si tu as le cadeau, ça veut dire que ça va être quelque chose de beau. Ça va être en ta faveur. Si ce n'est pas un tribunal des hommes, c'est la justice de Dieu. Puisqu'ici, nous avons nettoyage énergétique, priorité et expression enfantine. Peut-être que c'est un procès avec un enfant aussi pour certains. Peut-être que tu as un enfant qui a été placé. Tu vas avoir quelque chose de positif. On te demande si tu as quelque chose de ce genre. Demande un nettoyage énergétique pour ton enfant. D'accord? Aussi. Ou pour toi. J'ai ici une situation précaire qui va s'arranger. D'accord? On parle de pauvreté. Cette pauvreté peut être la pauvreté de l'esprit. Mais ça peut aussi être la pauvreté matérielle. Qu'est-ce qu'on a eu derrière? Sincérité. Évolution énergétique. Compréhension. Tu vas comprendre peut-être pourquoi tu vis cette situation. Cette pauvreté. Je vais recouvrir. Hein? La maison. Gentleman. Courtisé. Occupation. Il y a des gens ici qui viennent d'un endroit où ils ont vécu vraiment la misère. C'est pas pour tout le monde. Hein? Et j'ai un gentleman là qui n'est pas lui pauvre. Il y a quelqu'un qui vient pour toi. Ah d'accord, j'ai compris. Il y a quelqu'un là qui va quitter un état de pauvreté. D'accord? Quelqu'un qui quitte un état de pauvreté. Et qui va acheter une maison, peut-être avec un mari. On parle d'être courtisé, on parle d'occupation et on parle de quitter un désespoir. Hein? Puis qu'il y a une peine de travail. Si tu faisais un travail pénible, tu vas quitter ça. Hein? Il y a l'argent qui rentre inespérément. Succès en amour. Il y a des rentrées d'argent. D'accord? Ça, c'est un message très particulier. Hein? C'est pas pour tout le monde. Hein? En tout cas, je le souhaite en tout cas qu'il soit pour beaucoup de personnes. Il y a un truc juridictionnel là, qui va se terminer bien. Comme s'il y avait un dossier juridique qui traînait depuis longtemps. On a eu le tribunal. Et vous allez avoir les honneurs avec ça. Attendez, je vais juste prendre une pause pour pouvoir vous apporter encore mieux ce message. Parce que... Ok? Oula! Il y a quelqu'un qui est malade là aussi. Il y a quelqu'un qui est malade, qui est alité, qui est dans la chambre, qui a même du mal à arriver au salon. On demande de faire un nettoyage énergétique pour cette personne. Peut-être c'est une personne qui va bientôt décéder. Je suis désolée de vous donner ça comme message, d'accord? Mais c'est ça, d'accord? Il y a un nettoyage à faire pour une personne qui est malade. Demandez un soin pour cette personne. Je fais ce type de soin, mais attention, j'ai besoin d'avoir toutes les informations. Parce que si j'accompagne les personnes qui sont en fin de vie dans les soins énergétiques, c'est très lourd. Donc il y a quelqu'un qui est malade, qui n'arrive même plus à aller dans son salon et qui va peut-être partir ou qui sent que les choses sont déjà presque à la fin. Si c'est votre papa, votre maman ou c'est vous que vous sentez que demandez un soin énergétique, un accompagnement. Je le fais avec amour et dévotion et avec bien sûr la Vierge Marie toujours. Ça c'est un message qui est venu à part. Est-ce que je peux demander qu'on me recouvre ça de celui-là? Ok, on vous dit qu'en faisant ce travail pour cette personne, c'est toi qui demandes pour cette personne, ou que tu as demandé un soin pour une personne qui était alitée, qui était malade, qui était en train de mourir, tu vas recevoir de l'abondance, d'accord? Et un grand bonheur, parce que là où on va te récompenser, on va te remercier. Et cette personne, c'est elle qui fait la démarche pour elle, il y a un grand bonheur qui l'attend, d'accord? Pour elle et pour les siens, comme si elle nettoyait ses péchés, comme si elle nettoyait tout, elle partait pure. Le soleil, la guérison, le soin énergétique. Ici, on a un nettoyage énergétique. Rappelez-vous. Ce message a plusieurs sens. Pour certains ici, c'est pour certains, ça peut être pour un parent. On parle de jugement final. Le tribunal ici, c'est comme le tribunal de Dieu. D'accord? Et en faisant ce travail, cette démarche pour cette personne qui est alitée, qui est malade, vous allez recevoir un cadeau divin. Sachez que quand on travaille pour nos parents, on travaille pour Dieu. Quand on travaille pour nos enfants, on travaille pour Dieu. Il y a des personnes qui sont déjà venues me voir pour demander un soin pour une personne qui est malade, qui a un cancer, qui est en fin de vie. Et ces personnes ont reçu beaucoup de bénédictions. Ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas donné à tout le monde aussi
d'accompagner un parent en fin de vie. Ce sont des grâces et des bénédictions que vous recevez. Les gens qui sont là, parfois tu fais 4 enfants. Tu as une maman qui a eu le temps d'avoir 4 enfants ou 5 enfants, qui s'est occupée de 4 enfants seule. 4 enfants adultes ne peuvent pas s'occuper d'une seule maman qui commence à se dire « Ah, mais c'est pas moi qui vais voir maman aujourd'hui, c'est pas moi. » On l'abandonne, elle est seule dans son coin. « Excusez-moi, je t'aime, mais elle se fait pipi dessus toute seule. » On lui envoie des auxiliaires. Il y a quelque chose ici. Allez prendre vos bénédictions pour que ça continue. Caution solidaire. Rappelez-vous, la famille est caution solidaire. Je parle pour quelqu'un ici qui doit le comprendre. Je ne le répéterai pas parce que les messages, quand ils viennent, moi, j'oublie, mais ma paix. De temps en temps, il y a des guidances qui me reviennent. Je dis, mais tiens, j'ai donné un message comme ça dernièrement. La personne principale ici, c'est un homme. On parle d'un homme. Dans ce cas de figure, c'est un homme. Ça peut être un papa. Ça peut être ton mari. Ça peut être un frère. Peut-être que c'est toi qui es un homme et que tu dois faire ça pour un papa ou pour un enfant ou pour un parent. Je ne sais pas, j'espère qu'il n'y a pas des parents ici qui ont des enfants qui sont dans des cas de figure comme ça. Mais tout est possible. C'est une guidance. Je ne te connais pas, je ne connais pas ta vie, mais quelqu'un doit faire une prière ici pour une personne qui est en fin de vie. Ok? Voilà. Autrement, il y a ce message qui est resté tout à l'heure où on me parlait d'un enfant qui est dans la pauvreté ou qui est né dans la pauvreté. Je les reprends, je te les remonte. Pauvreté, d'accord? Peut-être le changement, le recommencement, c'est quelque chose qui va s'arranger. Voilà ça. On parle d'une maison. Cette maison n'est pas les pauvres. Hein. Ça, c'est un château. Hein. Donc, on quitte de cet état de pauvreté et on parle ici, celle-ci est venue à paix, donc je ne vais pas les mélanger. On parle de gentleman, quelqu'un qui a, il y a la carte du monde là, peut-être qu'il va voyager, qu'il va devenir quelqu'un d'autre, qu'il va évoluer, qu'il va être prospère. Ça peut aussi être que c'est toi qui m'écoutes, monsieur, qui a vécu dans la misère et ta vie est en train de changer aujourd'hui et que tu es dans l'abondance. Mais en tout cas, c'est cet ordre-là. Soit on a été pauvre et sa vie va se transformer, soit on a vécu une enfance pauvre. Ça peut être ton mari, ton autre, ou la personne que tu vas rencontrer aussi, ou que, avec laquelle tu es en train de vivre quelque chose, je ne sais pas. D'accord? Ou ça peut aussi être quelqu'un que tu as connu qui est parti. Tout compte fait, j'ai le courtisé. J'ai ici l'occupation. Quelqu'un, mais je pense qu'on est dans l'actualité là, d'accord? L'occupation, quelqu'un s'occupe là d'essayer de voir comment est-ce qu'il peut mettre en place peut-être un travail pour s'acheter une maison, pour sortir de cette pauvreté, pour être en couple aussi, puisqu'on a 2 personnes ici qui se courtisent, d'accord? On parle ici de désespoir. On a eu ces messages tout à l'heure. Non, on a eu d'abord le travail, la peine au travail, d'accord? Peut-être que tu travailles dur, tu essaies d'organiser tes idées pour pouvoir t'en sortir. Et nous avons eu cette carte qui est arrivée. On a parlé de succès. Ça, c'était ensemble. D'accord? On a parlé de juridiction. On a parlé de personne principale. Ici, on a aussi une femme, dans ce cas de figure-ci. On a parlé de désespoir. Donc, pour moi, pour certains, dans ce cas de figure, il y a quelque chose qui va toucher à la justice, d'accord? Ça peut être un héritage qui va finir, on parle de la personne principale, ça c'est la femme, qui va finir par aboutir. Ça peut aussi être qu'il y a un héritage avec un papa qui a été compliqué, où on va finir par rentrer dans son droit, qui va finir par aboutir après tellement de désespoir, tellement de préoccupations, tellement d'années de désespoir à se battre pour quelque chose, ok? On parle ici que il y a un argent inespéré qui va revenir, que tu n'attendais plus, qui va revenir, un argent inespéré. Et tu vas rentrer également dans une période de succès en amour, puisque nous avons ici les amoureux. Et nous avons 2 totoraux là, tes amoureux, ok? Et on parle de grand bonheur qui vient pour toi. Mais ce n'est pas sans peine. Tu as vraiment eu, ça a été chaud, ça a été douloureux, ça a été compliqué. Mais le monde ici et le jugement, c'est Dieu qui juge. Je veux juste qu'on me donne une dernière ici. Donc, le jugement ici, c'est par rapport à l'enfermement dans lequel on t'a laissé longtemps. Tu as été enfermé dans une situation où tu n'arrivais plus à t'en sortir, l'ermite. J'ai voulu faire une cause à effet par rapport à ce que j'ai reçu là, puisque les messages sont alignés là. Donc, pour moi, il y a un nouveau cycle qui recommence et c'est Dieu qui décide de te sortir de cet ermite. Comme si on avait enfermé ton dossier, on l'a jeté. Mais là, il y a quelque chose avec le tribunal, avec la justice.
soit des hommes, soit de Dieu. Tout compte fait, il y a quand même une notion de justice divine ici pour certains, et on parle de nettoyage énergétique encore. Si tu l'as fait, reçois aujourd'hui. Si tu ne l'as pas encore fait, on te demande de manifester parce qu'il y a quelque chose qui doit recommencer. Et tu vas avoir l'intuition de comprendre que ces messages aujourd'hui, ce qu'on est en train de te dire, c'est de prendre une décision, la carte de la décision. D'accord? Voilà. On va te guider. Donc ce soir, sur 21 avec mon mari, je vais passer au tirage sentimental. Ok? Pour ceux qui sont dans une relation sentimentale, ouvrez bien les oreilles parce qu'il s'agit de vous là et de votre relation. D'accord? On parle ici protection divine support, grande protection mariage à l'appui dans ta relation. C'est une guidance générale. Hein? Je suis dans le sentimental, ça y est, on y est. Merci maman Marie, merci Jésus pour les personnes qui ont besoin de savoir ce qui va se passer dans la vie sentimentale. Vous avez un ange gardien. Vous allez recevoir un message, d'accord? Invitation pour toi. Tu as une invitation, on va t'inviter quelque part, soit à un dîner, soit à discuter avec ton autre ou la personne que tu vas rencontrer. Soit c'est déjà là, soit ça va venir. Atmosphère chaleureuse et détendue. Alors ici, il y a une rivalité. Hein? Il y a quand même une rivalité avec un homme là. Ok? Il y a une rivalité ici avec le lover, avec la personne qu'on aime. Soit il y a une tierce personne, soit tu es avec une femme et elle voit quelqu'un d'autre et que voilà, tu attends qu'il se passe quelque chose. Je vais continuer. Merci les guides. Ça a pu se faire cet été peut-être aussi. Parce qu'on a l'été, on n'est pas encore... L'été n'est pas encore terminé. Hein. J'ai eu la carte de la chance qui a tourné. Ok, peut-être que la chance va tourner pour toi aussi. Ça va venir vers toi. Il est temps. Hein? Union charnelle. Donc, on a quand même une relation ici qui est assez torride au niveau charnel. Hein? Donc, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un cet été et puis ça démarre bien. Et puis, voilà. On vous dit oui. On vous dit oui par rapport à ta question. Il y aura une invitation. Vous allez vous revoir ou vous allez voir cette personne. On parle ici qu'il va y avoir quelque chose d'assez torride au niveau charnel. On parle d'amour, hein? On parle quand même de sentiments forts. Hein? Voilà. Et ça n'a pas de numéro, cette carte. Ça veut dire que c'est un bonus pour toi. C'est un bonus, cet amour. Je t'aime, I love you. D'accord? Donc, et ici, il y a une histoire avec la mère. Là. On y est, hein? La mère. Donc, soit on parle ici que cette relation est liée à la mère. Soit la mère de l'autre personne, parce qu'on parle de rivalité. Soit ta maman n'est plus là et elle te guide, je ne sais pas, mais en tout cas, la mère à côté. Ça peut aussi être une relation forte avec maman et son enfant, hein. Mais on n'aurait pas le charnel en tout cas sinon. D'accord? Donc je pense ici qu'il y a quelque chose qui est lié à la mère, mais beaucoup d'amour avec cette maman, beaucoup d'amour. Donc s'il y a des gens qui sont fâchés avec la maman ici, faites la réparation, faites la paix pour ouvrir le chemin à votre relation sentimentale pour que les choses aillent mieux. Peut-être que vos relations aujourd'hui sont catalysées à cause du lien à la mère. Je ne sais pas. Faites la paix avec votre maman. Je suis juste une messagère. Hein? Ok. C'est clair et net. Pour certains, leurs relations sentimentales sont froides. Dès que vous commencez une relation, ça se catalyse, ça ne marche pas. Donc, il y a quelque chose ici avec le lien à la mère, s'il vous plaît. Vraiment, le message est très clair pour moi. Parce qu'on a cold ici dans l'union charnelle. Vous commencez quelque chose et tout badaboum, ça ne marche pas. Mais on vous dit que vos anges gardiens vont vous amener pour recommencer quelque chose de nouveau. Donc, faites la paix avec la maman, qu'elle soit de ce monde ou pas. Faites la paix avec la maman. Ou si elle est partie, même si vous étiez en bon terme, parlez-lui. Ils entendent, ils sont là. D'accord? Voilà. Mais ne rentre pas dans ce processus de parler avec les morts. Mais là, dans ce cas de figure, on vous demande de le faire. D'accord? Il y a une situation ici qui impose. Peut-être qu'on t'a mis en stand-by pour que tu comprennes qu'il faut repartir vers le lien à la mer pour guérir de quelque chose. Mais on te dit oui. Hein? Les portes sont ouvertes, mais tu dois comprendre ici qu'il y a un lien à faire pour que la période d'attente se termine et que la colère ici, ou ce qui était catalysé, le froid, d'accord? On te dit en automne, il y a un détachement à prendre. Je vais juste remettre une là. Amour passager, flirt. Ok.
En automne, il y a un détachement à faire avec les amours, les histoires passagères. Je vais recouvrir le foie et... Ok, il y a une froideur ici avec un homme, le consultant. D'accord, c'est toi qui es un monsieur. Il y a quelque chose qui ne va pas avec ta relation sentimentale ou avec toi-même. Soit c'est ton autre ici. Ok, on parle ici de relations karmiques. Il y a quelque chose de karmique dans tes relations sentimentales. Dès que ça touche à au charnel, il y a quelque chose qui se catalyse. D'accord? Il y a une nouvelle personne qui vient pour toi. C'est pour ça que tu es en train de faire une pause pour l'instant pour recommencer et revivre les choses différemment et ne pas faire les mêmes erreurs. Donc oui, ici, on parle de réconciliation pour certaines personnes. Magnifique. Tu te poses la question si c'est la peine. On te parle ici, oui, pour certains. Ok? On parle d'alchimie, d'attirance mutuelle. L'invitation ici, voilà, il y a beaucoup d'attirance dans une relation là. Donc, écoutez-vous, on vous a parlé d'intuition, écoutez votre cœur, écoutez votre... Ok? Votre ange gardien va vous protéger d'une femme rivale aussi ici, qui est une fausse personne. D'accord? Peut-être c'est une femme qui a un bijou dans les dents. Hein? Donc, il y a une femme qui a un bijou dans les dents. Faites attention parce que là, on parle de quelqu'un qui vous dit « je t'aime », mais elle ne le pense pas. Ok? Voilà. Ici, il y a beaucoup d'attraction. Il y a un coup de foudre là avec une personne, mais parfois la relation, c'est on-off. Un jour, ça va, un jour, ça ne va pas. Ça ressort, d'accord? Je vais recouvrir. Ok. Solitude, silence, isolement. Donc, il y a une personne ici qui est dans vraiment la réflexion et il y a une situation qui t'a mis en burn-out là. Le burn-out ici, ça ressort, ok? On demande de prendre le temps de guérir, s'élever à un niveau supérieur et ne pas retomber sur les mêmes choses. Voilà. Je ne sais pas pour qui je parle ici, mais il y a une situation qui t'a vidé ton énergie. Okay? On te l'a dit tout à l'heure, on parle de la consultante. Là. On te parle de la famille pour certains. Qu'est-ce qu'on peut me dire avec la famille? Et le retour de certains membres de ta famille aussi. Certains vont changer d'attitude. Ils vont devenir loyaux envers toi. Parce qu'ils vont comprendre que tu as peut-être la clé. Peut-être c'est à toi qu'on a donné le mystère du royaume des cieux dans la famille. Oui, parce que dans chaque famille, il y a un roi. Puisqu'on dit que le combat n'est pas celui de la chair ni du sang, c'est le combat des principautés. Donc, nous sommes tous sous la coupe du Christ et nous avons tous nos petites principautés. D'accord? Donc, il y a certains membres de la famille qui vont revenir vers toi, qui vont être loyaux, oui. On parle que tu vas trouver un ancrage et tu as la clé. Hein? La clé. Il y a un déménagement, les choses bougent et avancent. D'accord? J'ai le temps ici. Qu'est-ce qu'on me dit? Il y a quelque chose qui impose là, mais dans une période de 2 mois, tu vas recevoir des réponses. Reste patient. Parce que pour certains, il y a un mariage dans l'air, dans une relation, bien entendu. On est dans le sentimental. Il y a un mariage dans l'air. Et on parle ici de la foi soulève les montagnes. Même si ton cœur a été blessé comme ça, qui a pris des flèches, la foi soulève les montagnes. Ok. On a le retour de l'ex. Le retour de l'ex. Pour certains, on parle vraiment de quelqu'un de rusé, de malhonnête. Pour certains. On demande de ne pas tomber dans le piège d'une personne ici. Pour certains, pas pour tout le monde. Mais on vous dit que tous les espoirs sont permis. Bénissez cette personne même si elle vous a fait du mal. Il y a quelqu'un qui va faire tomber son masque là. D'accord? Une vérité va sortir. Là, elle va finir par dire la vérité. Parce que parfois, on a besoin d'attendre la vérité pour guérir aussi de quelque chose. Quand on est dans le flou, qu'on refuse de nous donner la vérité, c'est beaucoup plus compliqué. Donc ce soir, ce 21 avril, mon mari, je vais juste te demander une carte par oracle ici pour terminer. L'intuition. Gardez à l'esprit que celui ici, la réconciliation, vous allez avoir l'intuition de savoir que je peux y aller ou je peux ne pas y aller. Moi, je peux vous dire ici que c'est lui, mais vous avez encore des questions à vous poser, mais on vous dit ici qu'il y aura des réconciliations. Mais prenez le temps de comprendre ce que les guides vous donnent, d'accord? La première impression est souvent la bonne. Laisse-toi guider par ton intuition. Je me demande de prendre celle-là. Il existe différents types de personnes. Il y a des gens qui sont prêts à changer et à devenir meilleurs, d'autres pas. Donc, c'est à vous de comprendre à quel type de personne vous avez affaire, s'il vous plaît. D'accord?
On parle de la communication. Prends le temps de discuter avec l'autre et reste à son écoute aussi. Voilà. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce que la personne veut? Qu'est-ce qu'elle a fait de différent? Qu'est-ce qu'elle a envie de changer? Est-ce qu'elle est prête à changer? Elle revient. Mais est-ce que ce revirement va faire naître cette idylle après cette trahison? D'accord? Il y a une trahison là. Hein? Tu n'es pas à l'abri d'un coup bas. Méfie-toi par rapport à cette ruse. Donc là, on parle vraiment d'une idylle ici. Sourire timide, papillon dans l'estomac. Ton croche t'amène au septième ciel. Oui, il y a des gens ici, c'est super torride physiquement. Mais est-ce que, la question c'est de savoir, est-ce que cette personne, par rapport à ce qu'elle a fait, est-ce qu'elle est prête à changer? Est-ce que si je redonne mon cœur, est-ce que je ne vais pas être blessée à nouveau? Toi, tu as travaillé dur, donc ne retombe pas dans les mêmes badernes. Prends le temps de communiquer et de prendre confiance en toi. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas parce que tu reprends quelqu'un vers toi que tu vas te remettre avec du jour au lendemain. Tu peux le reprendre et prends le temps de l'étudier et de voir si cette personne a vraiment changé pendant 2 mois. Si elle a changé, tu vas le savoir. Sinon, ce n'est pas la peine. La confiance. Aie confiance en toi et surtout, fais confiance à l'autre aussi. Donc, il y a une vérité qui va être dite. Ça va sortir, ça va éclater. Prends le temps d'écouter tes guides. Ce soir, sur 21 avec maman Marie. Âme sœur. On ne parle ici d'âme sœur. Hein. Ouais, il n'y a que eux qui peuvent te désinguer la santé comme ça, et émotionnellement et dans ton cœur. Quoi. Donc, on parle vraiment d'âme sœur ici. Émotions refoulées. Donc, tu as refoulé certaines émotions parce que tu ne voulais plus souffrir. Donc, c'est la question que tu te poses ici. Est-ce que c'est la peine? Vulnérabilité. Elle est là, la vulnérabilité. Mais on parle ici de promesses karmiques bloquantes. Donc, ici, tu es bloqué au niveau karmique. Donc, peut-être qu'il faut revenir pour certains dans cette relation pour débloquer cela. Et regarde ce qu'on nous donne. C'est juste magnifique. Pardon. Je vous ai dit tout à l'heure le pardon. Donc, si cette personne arrive à te donner la vérité, à te dire la vérité, pourquoi ne pas pardonner? Puisqu'on nous parle ici de vérité avec maman Marie, on parle de pardon. C'est clair, hein? Le message est très clair. Hein? Tu as du mal à pardonner, mais il va falloir pardonner pour que tu puisses avancer, toi. Sinon, ce n'est pas la peine. Ok? On parle d'âme sœur. C'est ton âme sœur. Et tu le sais, tu le ressens. Mais ce n'est pas pour ça que tu vas repartir te prendre le bâton dans la tronche. Tu pardonnes et tu laisses venir, tu laisses voir les choses. Il y a un nouveau départ là. Après une trahison pour certains. D'accord? Oui? Ouais, ça a été dur. Il y en a qui sont partis, qui ont tourné le dos parce que le cœur a été blessé. Regarde, moi, ça a la 3 d'épée. Ça a été overdose. Voilà. Mais tu retrouves la stabilité émotionnelle et il faut que tu quittes un blocage aussi. Il faut que tu quittes un blocage dû à cette trahison. Il faut que tu le quittes. Voilà. Il faut que tu le quittes et que tu acceptes maintenant que cette tristesse doit sortir de toi. Il y a eu des jalousies hein, qui ont amené ce problème. On parle d'un bel homme ici. Hein. Il y aura, pour certains, il y a des réconciliations. Hein. Peut-être que la relation aujourd'hui est bloquée aussi, mais on parle de réconciliation et de retour à l'harmonie, à la paix. Voilà, tu vois, la 9 de coupe, c'est le Graal. Hein? Il y a des gens ici qui sont en résistance et la vision positive par rapport. Même, vous savez, on a tous des histoires différentes. Qui n'a pas eu de déception sentimentale? Qui n'a pas eu de trahison? Et parfois, les gens regrettent aussi. Vous savez, la plupart des couples qui finissent leur vie, qui passent 50 ans ensemble, croyez que ça a toujours été facile. Il y a eu des hauts et des bas. Là, lâche tes résistances. Lâche tes résistances. Laisse l'amour divin venir en toi comme cette rivière te guider. Prends le temps de guérir toi, de te soigner. Et tu vas voir que tout va se mettre en place. Si cette personne doit revenir dans ta vie, elle reviendra. Si vous avez terminé un chemin ensemble, vous allez le terminer ensemble. Si tu dois reprendre quelque chose pour finir ce que tu dois finir avec cette personne, tu vas le faire. Ou alors vous ne reprendrez rien et que chacun va le terminer de son côté. C'est possible aussi. Donc, demande à tes guides et tu peux aussi demander une guidance privée pour que je puisse aller en profondeur par rapport à toi, à ton énergie, à ta situation. Puisque là, nous sommes sur une guidance générale. Tous les messages ne parleront pas à tout le monde de la même manière. Alors, prenez ce qui résonne pour vous et laissez le reste de côté. Surtout, n'oubliez pas de liker. On va demander le conseil de Jésus par rapport à cette situation. Hein. Je vous ai donné beaucoup de messages. J'espère que chacun a compris un petit peu ce qui parlait pour lui. Et là, on est vraiment dans le sentimental, mais il y a eu d'autres messages. Vous pouvez revenir sur la guidance de départ pour comprendre un petit peu tout ça.
ce soir sur 21 avec Marie, Jésus te dit, pardonnez et il vous sera pardonné. Waouh! Pardonnez et il vous sera pardonné. Donc là, on n'a pas beaucoup de temps pour lire Notre-Dame du recommencement, mais voilà, le message, on va quand même essayer de regarder ici. C'est quelle carte? 29, qui parle encore du chiffre 11, qui nous parle ici de la justice. Essayons d'aller rapidement. Si je peux vous lire au moins un extrait, comme ça vous allez avoir un peu la donne. 29. Notre-Dame du recommencement. Le temps sera bientôt venu pour toi de laisser quelque chose derrière toi. Tu sais que tu pourras être affligé par cette perte, même si tu sais au fond de toi qu'il y renonce, au fond de toi, qui renoncer est ce qui te convient le mieux. Même si tu sais au fond de toi qui renoncer est ce qui te convient le mieux, laisse-moi te nourrir du courage dont tu as besoin. Rappelez-vous du cantique qu'on a lu au début. On va chercher la force chez Dieu. Là, Notre-Dame du recommencement te dit, laisse-moi te nourrir du courage dont tu as besoin et t'aider à comprendre que ce changement se produit afin que tu puisses t'ouvrir et t'épanouir. Donc, oublie les trahisons, oublie les déboires, oublie les tristesses que tu as donné ton cœur, tu as donné, tu as été dans une relation qui était mouvementée, qui avait de la chimie et on t'a laissé tomber comme une vieille chaussette. Ton cœur est tombé par terre. Là, tu recommences autre chose et ne ferme pas ton cœur parce que tu as vécu des horreurs avant. Qui n'en a pas eu? Des trahisons, des jalousies, le rejet. Ce soir, sur 21h, avec Maman Marie, ta croissance sert aussi celle des autres. Les gens te regardent. Tu es un exemple. Tu ne vas pas porter préjudice ni nuire à ce que tu es sur le point d'abandonner. Donc, il y a quelque chose que tu vas laisser derrière toi pour toi te reconstruire. Et on te dit, tu ne vas pas porter préjudice ni nuire à ce que tu vas abandonner. Tout se meut par ma grâce. Tout se meut par la grâce de notre divine Maman Marie. Remets-moi tes peurs et tes doutes et fais confiance à ma grâce d'amour inconditionnel pour tous les êtres. Ce soir, sur 21 avec Marie, chaque situation a sa raison d'être, mais un nouveau projet vous appelle maintenant. Même si le territoire qui vous attire peut vous sembler inconnu, n'essayez pas de vous en cacher ou de l'éviter. La mer vous guide et vous affirme que cet événement, c'est vraiment, autant pour moi, la marche à suivre. Tu recommences quelque chose, donc ne doute pas, elle est avec toi. Le moment est peut-être déjà arrivé ou est imminent. Il est inutile de forcer les choses. Vous saurez quand il sera temps d'avancer. Mais si vous avez l'impression que le moment n'est pas encore venu, cet oracle vous dit qu'il le sera sous peu. C'est une confirmation que quelque chose vient changer ta vie. Amen. À quoi ressemblera-t-il? Il pourrait se traduire au sens littéral comme la fin d'une relation ou d'un accord commercial ou comme un déménagement. Il pourrait s'agir de l'abandon d'une ancienne identité ou d'un système de croyances ou de la libération d'une série de limitations que vous vous êtes imposées. Vous voyez, ça peut être des gens qui ne croyaient pas en Dieu, qui pensaient que Dieu n'existe pas et qui se rendent compte que mais finalement, depuis que je suis cette chienne, mais tout est évident. Mais les choses se sont, c'est tout est clair. Ou de la libération d'une série de limitations que vous vous êtes imposées parce que vous pensiez qu'elles convenaient à votre âge, au rôle que vous teniez dans la vie ou pour toute autre raison et que vous remettez maintenant en question. Notre-Dame du recommencement vient à vous pour vous conseiller de pardonner, de vivre et de laisser vivre, de reconnaître toutes vos émotions, de faire la paix aussi honnêtement, la vérité, aussi honnêtement que possible
quoi qui s'est présenté à vous. De ne pas être bon, mais d'être libre. De ne pas être bon, mais d'être libre. Je vous dis souvent que soyez bon, mais ne soyez pas bonbon. Rappelez-vous que les gens agissent en fonction de leur situation, de leurs blessures, probablement en faisant du mieux qu'ils le peuvent dans de telles circonstances, mais manquent toutefois d'adresse ou de conscience. Ils ont pu provoquer des dommages, mais vous pouvez tourner la page, même si vous avez été personnellement victime de la douleur. Au fil du temps, avec l'aide de la Mère Marie, vous ressentirez une certaine acceptation et paix en prenant conscience qu'il devait avoir une bonne raison d'agir ainsi. Et que cette raison n'a rien à voir avec vous, mais est plutôt liée à leur propre conscience et blessure. Ce qui importe maintenant, pour votre croissance personnelle, c'est la manière dont vous réagissez à la souffrance du passé. C'est ça, en fait. Notre-Dame du recommencement survient quand vous avez besoin d'aide pour mettre un terme à votre passé. Donc, on est vraiment dans la fin d'un cycle et dans le recommencement. On a eu ici le monde. Et particulièrement, un passé douloureux. Ça a été dur, ça a été douloureux. On vous le confirme là. Notre-Dame du recommencement survient quand vous avez besoin d'aide pour mettre un terme à votre passé et particulièrement un passé douloureux. Vous entrez dans une période où le soutien de la mère bienveillante vous sera utile tandis que vous vous engagez sur un nouveau chemin. On recommence là, encore une fois, on rappelle ça. Elle vous dit que vous avez le droit d'être libre de tout le passé libre. Elle vous dit que vous avez le droit d'être libre de tout le passé, libre de traiter chaque moment comme un nouveau départ afin de rejeter la culpabilité et l'humiliation et de vous sentir maintenant en droit de choisir en vous appuyant sur les valeurs de votre cœur. Il est bon votre cœur, alors appuyez-vous dessus. Elle vous dit que son cœur est plus vaste que toutes vos souffrances ou confusions du passé. Oui, que son cœur est plus vaste que toutes vos souffrances ou confusions du passé et vous demande de lui faire confiance afin qu'elle puisse vous aider à vous aimer durant cette transition et à vous soutenir dans votre nouveau départ. Tout va bien, mon bien-aimé, te dit Maman Marie ce soir. Ne vous inquiétez pas et n'ayez pas peur. Vous pouvez faire confiance au courant de votre vie et quand vous sentirez venu le moment d'aller le plus loin, quand le temps sera venu, au plus profond de vous, avec la précieuse aide de la mère, vous saurez quand agir et quoi faire parce qu'elle vous guidera. Si vous avez prié pour un recommencement, mais n'en voyez pas encore la manifestation, ce message vient à vous avec la ferme conviction vous dire spécialement ce soir que votre recommencement est en phase de se produire maintenant. Gardez confiance dans votre cœur et ayez foi en le divin planning de la mère. Gardez confiance dans votre cœur et ayez foi en le divin planning que la mère a prévu pour vous. Amen. Quelques dernières connexions, communications et résolutions doivent avoir lieu pour que votre phase de vie actuelle soit complètement sur le plan karmique. Cela ne devrait pas tarder maintenant et bientôt vous serez prêt et libre de prendre un nouveau départ avec un cœur revigoré. Ça rejoint le message de l'ange du jour. Réparation, revigoration, recommencement. On se relève. Donc c'est vraiment ça. Ce soir sur 21 Ave Marie, commencez le processus de guérison et n'hésitez pas à demander un soin énergétique et un accompagnement personnel
personnalisé. Parce que comme je dis à chaque fois, le salut est personnel. Chacun fait sa démarche vers la mère. Et les soins, les bénédictions, les récompenses affluent à notre porte. Parce qu'on a fait confiance. La confiance, le pardon. Ce soir, sur 21 avec Marie, le message de Jésus qu'on a eu tout à l'heure, c'était confiance. C'était pardon, il me semble. D'accord? Pardonnez et il vous sera pardonné. Luc 6, 37. Et nous avons ici celui qui croit en moi. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais et il en fera des plus grandes parce que je m'en vais au Père. Jean 14, 12. Ce message n'a pas de commentaire. Il y a un recommencement et c'est quelque chose qui revient. C'est à toi de prendre la décision de te confier à Dieu et de prier et de pardonner à ceux qui t'ont offensé. Rappelle-toi du petit, la petite fille qui est allée mettre la brosse à dents de son frère dans les toilettes. D'accord? Elle a pollué toutes les autres brosses à dents. Ne te venge pas. Laisse le Seigneur te venger. Tu as un Dieu de vengeance. Car quiconque fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. Matthieu 12, 50. Tu vois Jésus qui rigole ici avec Matthieu? Ouais. Il te dit ce soir, sur 21 avec maman Marie, tu as la clé. Désormais, il te porte la clé. La paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé. Jean 20, 21. Recevez la paix ce soir, sur 21 avec maman Marie. J'adore faire ces guidances-là. C'est comme ça que j'aime faire mes guidances. Je n'aime pas aller vite parce que je suis prise par le temps. J'aime prendre le temps. C'est pour ça que si vous ne voyez pas un jour, je n'ai pas fait de guidance, ne vous inquiétez pas. J'aime prendre le temps de vous donner des messages. Parce que quand on va vite, on fait une diarrhée verbale, les gens ne comprennent pas. On dit, ce qui se dit posément, s'énonce clairement et les mots pour le définir viennent aisément. Donc, c'est aussi un message pour toi. Ne te précipite pas. Tu es en train de recommencer. Tu es dans une transition. Laisse tes guides t'accompagner. Connecte ton intuition parce qu'on va te donner des messages. Demande un accompagnement si tu veux. Je serai là pour t'accompagner avec amour et dévotion. Comme vous savez, je ne suis pas là quand vous avez cette guidance. Je suis en soin. Mais je reviens. Donc, n'hésitez pas à prendre vos rendez-vous, même pendant que je ne suis pas là. Parce que quand je vais revenir, il y aura beaucoup de bousculades parce que je sais comment ça marche. Voilà. Donc, prenez vos rendez-vous pour ne pas attendre. Demandez un accompagnement. Et surtout, priez. Et pardonnez à ceux qui vous ont offensé. Je vous invite, mes belles âmes, à liker, à partager, à vous abonner, ce n'est pas encore fait. Et n'hésitez pas à penser à faire des dons à la chaîne. Je remercie tous ceux qui ont fait des dons. Soyez bénis abondamment à tous égards. Et que le Seigneur multiplie vos avoirs au centuple. Béni soit le Seigneur au plus haut des cieux. Soyez bénis, mes belles âmes. Je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez tellement, tellement déjà. J'adore le dire parce que c'est tellement vrai. Et votre amour me fait grandir tous les jours. Et vos témoignages. Témoignez des bienfaits que vous recevez. Je sais qu'il y a des gens qui sont timides encore, qui n'osent pas témoigner. Mais quand tu témoignes, le Seigneur est content. Parce que ceux qui reçoivent du diable témoignent. Oui, j'ai fait ça, j'ai gagné ça. J'ai fait ça, j'ai gagné ça. Mais nous, témoignons de la bonté de Dieu. Parce que Dieu gagne toujours. Dieu gagne toujours. Amen. Soyez bénis. À bientôt.